Coucou les amis, ça va? Coucou ma puce, ça va? Oui, et toi? Regarde qui c'est qui est avec nous. Ah, Doudou. On va ouvrir des Hatchimals aujourd'hui. C'est vrai, on va ouvrir des Hatchimals? Oui. Wow. Alors vous voyez, le petit copain et petite copine, on a inversé les rôles. C'est Ellie qui dit coucou et c'est moi qui découvre ce qu'on va ouvrir. Eh ben écoute, ma puce, je te propose de lancer le générique. Et nous revoici pour ouvrir les colis de Hatchimals. C'est bien ma puce, bah dis donc, t'apprends vite. Donc voilà, les petits copains et petites copines, nous avions reçu déjà il y a quelques temps un gros colis de Hatchimals. Avec ma mounette et j'ai fait une vidéo pour ouvrir les petits Hatchimals. Tu t'en rappelles ma puce? Il y avait le petit... Des petites figurines, il y avait des petits pandas, il y avait un petit panda qui dormait et il rirait. Il était trop beau. Ah, les petits copains et copines, si vous n'avez pas vu cette vidéo, où est-ce que je mets le lien? Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre ici, le lien. Voilà, il s'affiche là, les petits copains. Vous pouvez cliquer, vous verrez cette première vidéo. Donc on a décidé de faire la suite hein, parce qu'on avait beaucoup de petites figurines. Maman elle a dit stop bébé, il faut pas faire ça. Maman elle a dit on fera dans une prochaine vidéo. Alors vous savez quoi? Regardez. Alors montre-moi ce qu'il y a dans ce joli sac fleuri. Moi j'ai hâte de voir. Il y plonge la main à l'intérieur pour en ressortir. Des Hatchimals. Et oui, on venait de vous le dire. Donc, combien il y en a, ma puce, des Hatchimals? Donc là, on en a 5, dont un qu'on voit déjà. Voilà. Et là, il y en a 6. Et là, il y en a 2, ma puce. Donc, au total, ça en fera 7. 7, dont un qu'on voit déjà. Alors, par lequel tu veux commencer, ma puce? Le petit colis? Allez, le petit colis, c'est parti. T'as vu, là, il y a la tête qui se pose. Ah oui, tu as raison. Là aussi, il y a une grosse tête. Oh, la grosse et derrière, tête. Et il y a les trucs, et ben, ils montrent. Et là, ça monte, et bah, tu frottes, tu découvres ce qu'il y a dedans et tu vois ce qu'il y a dedans. Ah, tu as raison, là, tout est expliqué ici. Et là, on avait, moi, la maman, on avait celui-là, le petit jaune. C'est vrai, on l'a déjà eu celui-là? Oui. Wow, j'espère qu'on ne l'aura pas cette fois-ci. Alors. Donc, regardez les petits copains et petites copines. Dans ce kit, vous voyez, vous avez plusieurs types de petites figurines. Voilà, tu vois, il y en a beaucoup. Hein. Dans une prochaine vidéo, on a vu avec maman, il y avait le petit ours. C'est vrai? Ah, oh, génial, le petit ours, il devait être trop beau. La baleine aussi, vous aviez eu? La baleine violette? La baleine bleue. La baleine violette, ça me rappelle quelque chose. Il me semble que c'est Calice et Athéna qui voulaient la baleine violette, la baleine violette. Et ben nous, on l'a eu. Et oui, on a réussi aussi. Et ben, l'autre bleu, là. Ah oui, tu as raison. Bon, allez, ma puce, on ouvre vite celui-là. Je veux voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu y arrives ou est-ce que tu veux un coup de main? Tu y arrives? Allez, vas-y, je te fais confiance. Je sais que tu as l'habitude d'ouvrir ces boîtes de Hatchimals, les collectibles. Collectibles, donc ça, c'est un jeu de mots. Parce qu'en anglais, ça veut dire qu'on peut les collectionner. Et dedans, il y a le mot egg qui veut dire œuf en anglais. Donc, comment ça fonctionne? Je pense que vous le savez, les petites copains et petites copines. Il suffit de frotter le petit cœur violet pour qu'il devienne rose. On le voit derrière, oui, voilà, il devient rose. Et une fois qu'on l'a frotté, eh bien, on peut écraser l'œuf pour faire sortir le petit animal qui est dedans. Alors, en général, le petit animal qui est dedans a des ailes argentées. Et il peut y avoir des rares, des moins rares, des un peu plus rares. C'est là, il y en a un qui est sorti. Oui, là, il y en a un qu'on voit déjà, oui. C'est la documentation qui nous dira s'il est rare ou non. Donc, vous voyez, vous avez des petits exemples ici. Hein, ils ont tous des petites ailes argentées. Allez, ma puce, vas-y. Il y a le bord. Alors là, on a le petit nid, oui, effectivement. Comme ce sont des animaux qui ont des ailes, et ben voilà, ils vivent dans des nids, forcément. Allez, vas-y, ma puce. Ah, voici la petite notice. Après, il y en a une autre sur. Ouais, celle-là, on s'en fout, elle est pas belle. Ben, allez, montre-nous un petit peu cette notice. Il y en a 12. Je crois qu'il y en a plus. Hein. Je sais pas combien on peut en collectionner, je sais pas si c'est écrit là-dessus. On dit
21. Je ne sais pas, 21 tu dis? Fais voir. Waouh, alors là on a le monde des Hatchimals. Donc en fonction du Hatchimals qu'on va trouver dans les œufs, mais en fait, il vivra dans un partie du monde ici, oui, voilà. Il est derrière. Alors derrière, oui, effectivement, on en a pas mal. Hop, je le mets à l'endroit, ce sera mieux. Donc on a les Jingle Grove, les Meadow, les Farms, les Lilac Lake, les Forests, les Savannah, les Gardens, les Jungle, les Polar Paradise, les Rivers, les Ocean en anglais, les Deserts et les Cloud Cove. Ça en fait beaucoup, hein. Il y en a des bleus et des verts. Il y en a des bleus et des verts. Et là, il y a le bleu, le jaune, le vert et le rouge. Oui, tu as raison, ma puce. Les petits œufs sont tachetés de manière différente. Alors, je vais montrer à nos petits copains. Est-ce que tu peux me donner les œufs juste que je montre un petit peu les petits tachetés? Voilà, voilà. Vous voyez les petits points tachetés? Donc là, il est blanc. Et l'autre, je te le rends, ma puce. Et l'autre, il est vert. Fais voir. Effectivement, oh, il me saute dessus. Et l'autre, vous voyez, il est tacheté de vert. Voilà, voilà, c'est trop bien. Donc, tu sais ce qu'il faut faire, ma puce? Il faut frotter comme ça. Vous voyez, c'est bleu. Et regardez, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Et au bout d'un moment, ce bleu va devenir rose. Alors, il faut frotter un petit peu longtemps. En fait, c'est la chaleur du frottement qui fait que le violet va devenir rose. Regardez, 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 comment ça devient rose. Vous le voyez? Je frotte, regarde, regardez. Maître, il devient rose. Ah oh, oui, tu l'as mis dans ton nid, c'est vrai. Regardez, à force de frotter, de frotter, de frotter, oh, il devient tout rose. Tiens ma puce, tu continues, pendant ce temps je fais l'autre. Donc là il est violet, allez je frotte, c'est parti. Là, 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 là. Là il est encore un peu bleu. Et toi ma puce, il est de quelle couleur le tien? Oh là là, il est rose. Ah ben, je pense que là tu peux écraser l'œuf et on verra ce qu'il y a dedans. Moi pendant ce temps je frotte celui-ci, regardez, il devient rose de plus en plus. Tac tac tac, alors Ellie est en train d'ouvrir son premier œuf. Je me demande quelle figurine on va avoir. Là, 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 là. Tu vois du bleu? On n'a pas parié, on pariera sur le prochain. Moi je pense. Toi tu veux lequel? Allez, parie. Moi je pense que moi je pense qu'on le voit déjà un peu d'ailleurs. C'est celui-là, tu penses? Alors, elle pense qu'elle va avoir celui-ci. Donc, ça serait dommage parce que c'est le même qui est ici. On va voir, on va voir. C'est pas grave, ça sera son petit frère. Et moi, donc, vous voyez, j'ai bien, bien frotté. Regardez, c'est devenu rose complètement. Oh, c'est le même! Oh, bah alors, mince alors! Non, c'est pas le même. Ah, je crois que si, ma puce, hein. Fais voir. Ah, c'est exactement le même, regardez. On a deux fois le même. Bon, ben tant pis, hein, ça sera les frères jumeaux. Tiens, ma puce, l'autre, je l'ai bien frotté, on voit, il est tout rose. Tiens, vas-y, craque-le. Pendant ce temps, je vais t'aider à ouvrir celui-là. Hop. Tu veux le faire, toi? Ah ben, allez, Ellie veut le faire, je la laisse. Alors, regardez les petits copains et petites copines, les œufs, une fois pétés, ben voilà à quoi ils ressemblent. On dirait un petit peu des coquilles de Calimero. Vous connaissez Calimero? Oh là là, c'est trop injuste. Voilà, donc bon, ben un qu'on a déjà malheureusement, je vous le montre d'un peu plus près. Regardez. Oh, c'est un petit, je sais même pas ce que c'est en fait, hein. Un petit fan avec des ailes, je sais pas. En tout cas, il est mignon. Oh, qu'est-ce que tu as eu? C'est pas style, mais... c'est pas dit ce que c'est, mais c'était... Alors, lequel c'est, ma puce? C'est celui-là. C'est un transparent, en tout cas. Fais voir. Ah, c'est celui-là, fais voir. Ah oui, il a le ventre blanc. Et on avait celui-là avant. Tout à fait. Avec le bleu, donc celui-là et celui-là. Alors, fais voir, ma puce, qu'on regarde un petit peu. Donc, Ellie me dit que c'est celui-là qu'on a eu. Il a un petit cœur rose, ce qui veut dire qu'il est rare. Waouh, t'as eu un rare, ma puce. Tu as eu un rare. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. C'est un Polar Paradise. Ah oui, mais je le regarde, t'en fais pas. Waouh, il est magnifique, c'est un petit phoque. Un petit phoque bleu, turquoise, transparent. Waouh, il est magnifique. Et effectivement, donc c'est lui, il a un petit cœur rose, donc il est rare. Et même. Encore. Celui-ci, je pense qu'il n'est pas rare du tout, puisque c'est déjà la deuxième fois qu'on l'a. On va le trouver, alors il est là, oui, effectivement. Il a un cœur bleu, vous voyez, donc ça veut dire qu'il est courant. Voilà. Allez, on va regarder les autres. Alors oui, bah oui, c'est toujours les mêmes dépliants qu'il y a dedans. Là, moi, je te propose qu'on parie un petit peu. Hein, allez, on va parier. Alors vas-y, ouvre-les tes œufs. Allez, sors-moi les de cet emballage. Oui, il y avait la notice. Oh, c'est pas grave, on n'a pas besoin de la notice, c'est la même. On avait une autre. Allez, la notice, hop, on n'a pas besoin. Oh, ils sont trop mignons, j'adore. Vous savez quoi, je sais faire le phoque, hein, regardez. Je sais pas trop bien l'imiter, Lille, le phoque. C'est pas comme ça, un phoque.
Ah, mais c'est un phoque âne, en fait. Bon, et ça, comment on sait pas ce que c'est? Ben, je sais pas comment je vais l'imiter. Alors, je vais l'imiter... Comment on pourrait l'imiter, ça, Ellie? Ah, comme un coq? D'accord, donc voilà, vous avez le cri des animaux. Tiens, on va s'amuser à faire les cris des petits animaux que tu vas sortir. Allez, c'est parti. Montre-nous un petit peu ce que tu as dans ce coffret de 5 Hatchimals. Alors déjà, bon ben, on en a vu un déjà. Tu veux que je t'aide? Ça a l'air dur. Allez, force! Fais pas caca dans ta culotte en forçant. Hein. Et j'ai vomi, moi. Ah oui, c'est vrai, ma puce. Toi, tu n'as plus de couche parce que tu es propre maintenant. Mais oui, cette nuit, mes petits copains, petites copines, Ellie a été malade. Elle avait la gastro, elle a vomi dans son lit. Ah, c'est pas grave, on a tout nettoyé. Ah oui, c'était 2h du matin. Ah, trop dur. Allez, ma puce, vas-y, ouvre-nous ce petit coffret de 5 Hatchimals. Tu crois que c'est par là que ça s'ouvre? Je suis pas sûr. Allez, je vais t'aider. Alors, le premier, hop, le deuxième, hop, tiens, le troisième, regarde, il saute, tout. C'est un peu comme un grille-pain, regarde bien, tout. Et le dernier, bah lui, on l'a déjà vu, hein. Malheureusement, on l'a déjà vu. Bah oui, c'est le même que lui, tiens. Et l'autre, il est là, regarde. Il est là, il est là. Voilà, donc tu peux nous montrer, ma puce, oui, voilà, c'est exactement, exactement les mêmes, hein. Bon, bah c'est des jumeaux, ils dansent, regardez. Bon, allez, ma puce, vas-y, ouvre-nous donc un petit œuf. Alors, celui-là, il est beau parce qu'il est tacheté de rouge. Waouh, il est trop mignon. Il y en avait un autre qui est tacheté de blanc. C'est vrai? Ah oui, exact. Lui, il est tacheté de jaune, je dirais même. Tacheté de jaune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tacheté de bleu. Tacheté de vert, là. Tacheté de bleu. Et tacheté de bleu. Waouh, effectivement, tacheté de bleu. Ils sont trop beaux, ces petits œufs. Alors moi, j'ai commencé un petit peu à chauffer. Alors, je pense que si on met de la buée dessus, vous savez, si on souffle comme ça en faisant... Ben, ça doit aller encore plus vite, oui. Vas-y, ma puce, fais... Voilà. Est-ce que ça devient violet? Enfin, rose? Non, pas trop. Bon, ben, celui-là, ça y est, il est devenu rose. Tu peux le craquer, ma puce. Vas-y. Allez, moi, je vais essayer, tiens. Non, ça marche pas. Il faut vraiment les frotter. Hein. Alors, vas-y, ma puce. Ah, on n'a pas parié. Moi, je voudrais le hérisson. Moi, je voudrais. Toi, tu veux quoi? Tu veux lequel, toi? Celui-là, là, le rose? Alors, Ellie voudrait le petit cochon rose. Là, je sais pas si c'est un cochon, un hippopotame. Moi, je voudrais un poney, celui-là. Tu veux lequel? Ah, le poney, tu préfères? Alors, Ellie veut le poney. C'est vrai qu'il est très, très beau. Elle veut ce poney. Non, et moi, j'aimerais le petit hérisson, là. Non, mais moi, je voudrais celui-là. Ah, et Ellie a encore changé. Elle veut celui-là de poney. Alors moi, je viens de remarquer que j'avais choisi un ultra rare. Alors ça m'étonnerait que je l'aie. Hein. Moi, mon hérisson, il est vert et vert, c'est ultra rare. Donc je l'aurai jamais, je pense. Allez, on y croit. Qu'est-ce que tu as eu, ma puce, dans cet œuf? J'ai hâte. Moi, pendant ce temps, bah, voyez, je frotte, ça rosit. Je frotte. Oh, c'est un rouge et... Mais c'est celui que tu voulais, je crois. C'est pas vrai, c'est celui que tu voulais? Waouh, trop forte, Ellie! Bravo! Donc, Ellie a eu celui qu'elle voulait. C'est celui-là, là. Donc, bon, ben, il est commun parce qu'il est bleu. Hein, voilà, courant, commun. Mais franchement, chapeau, Ellie. Et ici, il y avait des noirs. Ah oui, t'as raison, il a des sabots noirs. Donc, lui, il est rose. Ça y est, tu peux y aller. Ah oui, alors vraiment, chapeau, Ellie. Hein. T'es trop forte. Regardez comme il est mignon. Alors attends, Ellie, avant de le craquer, il faut en choisir un autre. Choisis. Ou celui-là. Ah oui, bah attends, regarde pas ce que c'est et on parie. Allez. Moi, je pense que c'est le mien hippopotame. Tu veux l'hippopotame, toi? Non, alors... mais moi, j'ai parié que c'est celui-là. Ah d'accord. Celui-là. Alors, Ellie veut celui-là. Donc, c'est un petit ours, il est très très beau. Et moi, ben. Oh, j'avais pas vu lui, j'aimerais trop lui. Il est trop bizarre, je sais pas ce que c'est. Alors là, franchement, les petits copains, petites copines, je sais pas ce que c'est. Mais Ellie veut celui-là. Alors, lequel tu vas avoir, ma puce? Pendant ce temps, je vous montre celui-là d'un peu plus près. Regardez, il est trop beau, on dirait Pégase. Le cheval volant. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, il est trop mignon! Mais attends, c'est un écureuil? C'est pas celui qu'on voulait, mais il est très très beau. Alors, je sais pas où il est, l'écureuil. Est-ce que c'est pas lui, par hasard? Pas cher. C'est lui, je crois. Fais voir, ma puce, on va regarder, mais je crois que t'as eu un rare.
Parce que je crois que c'est lui. Celui-là, c'est mon chapeau. Et celui-là, c'est pas mon chapeau, c'est ton chapeau. C'est mon chapeau. Oui, mais c'est ça, regarde. Tu as eu un rare, ma puce. Oh, génial. Tu as eu celui-là, le petit écureuil de la série Forest. Voilà. Donc, c'est un petit écureuil, mais il est trop beau parce qu'il est violet et mint. J'adore la combinaison de ces deux couleurs. Waouh. Allez, fais voir. Je vais t'en frotter un autre. Alors, lequel t'aimerais maintenant, ma puce? Parce qu'alors, pour le moment, on a eu des super. Hein. Le tigré. Le tigré, t'aimerais? Alors, mais pas celui-là, mais choisis bien. Ceux qui sont comme ça. Ah, toi, tu voudrais ceux qui sont dans l'eau? Non. Ah. Ellie voudrait des Clouf Grove, je pense. Non. Ils sont tous édition limitée, là. Alors là, attention pour les avoir. Ça va être dur. La petite girafe. Allez, tu t'arrêtes sur la petite girafe? Ok. Donc, Ellie voudrait la petite girafe. Je la vois même pas. Je sais pas où elle est. Elle est où, ma puce, ta petite girafe? C'est elle? Ah oui, d'accord. Alors, Ellie veut la petite girafe qui est là. Donc, elle est verte. C'est une ultra rare. Là. Ah, elle est derrière. Ah oui, effectivement. Elle est derrière. Elle est là. Donc, toi, tu veux une ultra rare. Alors, moi, je suis fou. Ma puce, moi, je suis fou. Je vais choisir un ultra rare, une édition limitée. Je veux le petit toutou, là. Regardez comme il est trop mignon. Tu vois le petit toutou qui est là? Ah, tiens, ma puce. Il est tout rose, celui-là. Tu peux y aller. Pendant ce temps, je vais frotter celui-là. Allez, c'est parti. Alors, lequel va-t-on avoir? J'ai hâte de savoir. J'ai hâte de savoir. Parce que c'est bien. Ouais. Alors, c'est quoi, ma puce? Me demande. Ah! Je l'ai craqué, celui-là! J'ai appuyé trop fort. Heureusement, j'ai pas vu. Puis en plus, il était devenu rose déjà. Hein. Alors, on regarde pas. Alors, qu'est-ce que tu as eu, ma puce? Je vois du rose. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai les doigts trop forts. Hein. Ah! Je crois que c'est un hérisson! C'est celui que je voulais tout à l'heure! C'est celui-là, je crois! Oh! Je crois que c'est celui que je voulais tout à l'heure. Je crois que c'est le hérisson rose. Oh là là. Oh là là, si c'est lui, les petits copains, les petites copines. Bah oui. Oh non, c'est pas lui. C'est le lion. Oh, mais il est beau, ce lion. Mais je l'avais pas vu. Je sais même pas où il est. Tiens, regarde, essaye de le trouver. J'essaie de le trouver aussi. Il est là. Ah, il est là. Tu as raison. Je savais même pas qu'il existait. Bah alors, il est là. Si je l'avais vu, j'aurais dit lui. Hein. Il est là. Ah ouais, donc c'est un commun, hein. C'est pas du tout un rare. C'est un courant, ma puce, tu vois, parce qu'il a une couleur bleue, donc c'est un cœur bleu. Fais voir de plus près. Bah tiens, ma puce, je te donne celui-là, je l'ai un peu craqué en l'essuyant. Donc on va regarder tout de suite ce que c'est. Donc regardez les petits copains et petites copines, il est très très beau, ce petit lion. Oh, il est très détaillé. On voit bien la crinière, on voit bien ses petits yeux. Il est vraiment très très beau, ce petit lion, j'adore. Alors, ma puce, quel est le dernier que nous avons eu? Là, je sais pas, je l'ai craqué entre mes doigts, mais j'ai pas regardé. Alors, attends, je regarde pas. Ça. Oh, j'ai pas eu le temps de parier. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il est tout violet, donc il appartient à cette catégorie, je suppose. Ou peut-être à lui. Je sais pas, il est tout violet, ma puce, complètement. Oh, c'est celui-là. Super, c'est un rare. Mais il est tout violet, mais son ventre, il est rouge. Ben c'est celui-là, ma puce, regarde, c'est lui. C'est le castor. Mais c'est castor, mais son ventre, il est rose. Il est un peu rose, oui. Il est un peu rose. J'ai envie de faire pipi. Ah bon, eh ben écoutez, Ellie a envie de faire pipi, alors on fait une pause et puis on vous montrera, on vous fera une récap de tous ces petits personnages. Voilà le dernier qu'elle a eu. Il est très très mignon. Regardez, c'est un petit castor, je suppose. En tout cas, c'est un rongeur, c'est un rare. On va se laisser ici. Je vais emmener Ellie faire son pipi. Qu'est-ce que tu dis, ma puce? Oui, c'est lequel ton préféré? Alors moi, mon préféré de tout ceci, je crois que c'est lui. C'est lui, moi, mon préféré, j'adore les couleurs. Petit écureuil. De tous les trucs, c'est celui-là. Toi, c'est celui-là, le petit Pégase? Alors oui, voilà nos préférés. Si, et ben quand on a fait moi, mon petit frère. Alors, les petits copains et petites copines, dites-nous, quel est votre préféré? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Bref. Dites-moi-le, je vais vous faire une petite récap, là, vous allez tous les voir, et vous nous mettrez en commentaire, si vous avez envie, lequel vous préférez. On vous fait des... Ah, on va vite faire pipi. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Salut.
Ça y est, j'ai fait pipi. C'est vrai, ma puce, ça y est. Alors oui, hein, les petits copains et petites copines, vous le savez, une envie de pipi, ça se commande pas. Alors, tu veux les mettre en place? Tu veux les mettre devant nous, comme ça, pour qu'on les regarde? Bon, ben d'accord. Alors, les petits copains et petites copines, on va tout mettre devant vous. Et puis, ben, comme je vous ai dit, vous nous direz lesquels vous préférez. Allez, vas-y, je te laisse faire. D'accord, je te laisse faire. Nous, pendant ce temps, on vous fait de gros bisous. Soyez sages. Faites ce que vous voulez de cette vidéo, c'est la vôtre, elle vous appartient. Nous, on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. On se laisse sur les Hachimos. Oh!